Nous quittons Bali. Cette île est trop touristique et bien plus chère qu'ailleurs. C'est parti pour 4 heures de ferry. Des locaux profitent du trajet pour essayer de le rentabiliser en pêchant le thon ou autre gros poisson. Ainsi, arrivés à destination, ils pourront le revendre. Nous approchons du port de Lombok, mais le seul débarcadère pour les gros bateaux est occupé et d'autres navires doivent accoster avant le nôtre. On devra patienter 2 heures de temps. Alors lui, c'est le monsieur qui est venu nous vendre du navire, enfin à manger quoi. Et maintenant il a fini son stock. Voilà, monsieur il a fini son stock et s'en va, il a tout vendu. En attendant, des marchands ambulants arrivent en petite embarcation pour vendre des plats déjà préparés, emballés dans la feuille de banane, ou bien même des glaces. Sur la rive, un local nous attend avec son petit bateau pour nous emmener directement sur une très petite île privée. Hello.
Hi, thank you. Ok, thank you. Bye. Yes. Ah bon, ça, c'est bon, il se barre. Voici Guilinongou, 1 km de diamètre, c'est un endroit calme avec des jolis bungalows, idéal pour les lunes de miel. On peut faire du snorkeling, mais il ne faut pas y rester trop longtemps car on a vite fait le tour de l'île. Aujourd'hui, nous décidons de partir et continuer notre visite de Lombok. Nous prenons la direction de Kuta. En chemin, nous profitons pour visiter des curiosités locales. Cattle magic. Ici, c'est une fabrique de peau en terre cuite. Et là, une petite entreprise familiale qui confectionne des tsarongs. On peut voir que ce sont des enfants qui travaillent au tissage. Hello, Damien. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. You want to try? No. Tu peux essayer? No. J'arriverai pas. To make it one of this living, she must work more than 1 month. 1 month? 1 month. 1 month? Yeah, that's for the simple pattern. For them to make that one, they have you one? Yes. They work 3 months. 3 mois pour faire un tapis. That one is special to use for wedding ceremony time. Ah, okay. Then when the people get married, they wear, they use that, and then always they keep the one for this special property. Special for
So a very good price, 300. We take it for 150. Because it's handmade, different like this. Nice. Because it's too expensive. Well, I make 250 this one because you are on honeymoon. Sure. 250. Yeah. Allez, travel for life. Yeah. 250. Reste à 150. Ouais. Après une longue négociation, on repartira avec quelques étoffes. Voici un village Sazak, appelé Sadé. Ce sont des gens qui vivent en cercle fermé et ils ne se mélangent pas au reste de la population. Ils parlent la langue Sazak, qui est un dialecte, et en général, ils ne comprennent pas l'indonésien. Ça, c'est la maison de la grand-mère. Leurs maisons traditionnelles sont fabriquées à partir de combinaisons d'argile et de bouses de vache. Pour eux, les matières fécales des vaches ont de nombreuses fonctions, comme pour le nettoyage du sol, le lavage, le bain, et etc. Qui? La non. Terre. À terre. Ah, oh. Mais de buffalo shit. De buffalo shit? Ah, c'est les bouses, ouais, c'est les bouses de vache, ouais. So this for sleeping, father and mother, for the boys inside, to room, one room for the girl in the kitchen. Ah, sleep on the mattress. You need block? Yes. Oui, no problem. 10 years, change. Ah. Tous les 10 ans. Tous les 10 ans, ils changent la paille. And when les hommes doivent dormir dehors de la maison, c'est une tradition. S'ils ont une fille, ils doivent protéger leur fille du kidnapping. Dans l'île de Lombok, si un jeune homme veut se marier avec une jeune fille, il doit la kidnapper. Oh, ça sent bon. Hello. Hello. You're drawing? Ça c'est quoi ça? Rice inside. Rice. Ah, rice. Yeah. Do you drawing? Yeah. For you. You need that same saying. But I have the same. It's only for the price. I would like to see. Discount. Mais à 2700 centimes. 30 for 5. Ça va 5, 10, 15, 20, 25. 25 for 5. Kuta est renommé pour avoir les plus belles plages d'Indonésie. C'est une destination très prisée des surfeurs qui viennent du monde entier. Car ici, les vagues sont intéressantes pour ce sport. Fish. Fish. You are fisherman. Ah, good, good. Good. Et dans le panier.
noir, c'est rien d'autre que du pétrole. En fait, là, il y a deux vendeuses. Ah ouais, il y avait un petit film. Ouais, ouais. Elles veulent rentrer. Au début, le mec, il était assis sur la chaise, il est tranquillement nu. Et maintenant, il est carrément devant et les filles, elles essaient trop. Elles essaient de faire les... Le soir, de nombreux enfants essayent de rentrer dans de nombreux restaurants, bordant la mer. Ils veulent vendre aux touristes des bracelets et autres petits bijoux de fantaisie. Procurer, elles viennent à... Elles sont 5, 6, 7. Ouais, il y en a encore là-bas derrière. Elles vont rentrer, hein. Moi, ce qui me manque le plus dans cette bouche, c'est le pain. Je mange pas de pain ici. T'as que dans les hôtels, ils servent le soir à 10h30 pour les toasts. Mais ouais, le pain, ça me prend un peu. C'est quoi de temps en temps? Les trucs aux crevettes. Mais c'est pas du pain. Ouais. Voilà, un petit déchet. Ah bien. Elle te passe derrière toi. Elle permet de toi. Ils sont rentrés. Ils ont réussi à rentrer. La deuxième. Vite, vite. Vite, vite, de revenir. Vite, vite, la première de revenir. Ah, parce que les touristes ils étaient intéressés, c'est pour ça qu'ils sont rentrés. Là ils checkent l'aéroport. Ils sont trop jaloux entre eux, comme ils se regardent, ils discutent. Ils font un petit signe de tête. Oh, tu vois quoi? I'm something with. Oh non, ça va. Oh, le noir. Thank you.